en place n'a pas capitalisé de sa vie, de l'alternance sur le plan politique. Nous sommes en train de reculer. Le président Joseph Kabila a consenti des sacrifices pour la démocratisation de ce pays, mais aujourd'hui, tout est bafoué. Nous sommes en train de reculer petit à petit. On cherche à instaurer un parti unique et le PPD n'acceptera plus jamais ça. Ne veut plus que quelqu'un se termine au pouvoir par de moyens non démocratiques. Et s'il n'y a pas élection, le peuple doit lui-même s'assumer. Et le PPD sera à l'avant pour que l'article 64 soit mis en application. Voilà. Toujours Joseph Kabila. Voilà. Il a permis au peuple congolais de vivre pour la toute première fois depuis l'indépendance l'alternance et la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Je vais transmettre le message du camarade Joseph Kabila Kabangé, président national du parti. Vous avez vu les faibles, les esprits faibles n'ont pas résisté quand il y a eu un petit vent qui a soufflé. Mais les esprits forts. Les esprits forts sont encore là. Celles qui vous chantent chaque jour que le président Kabila a abandonné la politique sont en train de vous distraire. Ma mission TV, le miroir du monde. Nous allons nous remettre en présence de Dieu. Donc, comme ça, nous allons nous remettre en présence de Dieu. Nous allons nous remettre en camarade Momo Moulapo, révérend pasteur, à cette service aux hommes service au bonheur. Adhérons tous avec.
Pepe de moto,
quatre membres du bureau politique, camarades membres du Conseil national, camarades membres du comité exécutif national, camarades membres des comités exécutifs provinciaux, communaux et des comités de base, chers camarades, distingués invités, tout protocole respecté. Je vais transmettre le message du camarade Joseph Kabila Kabangé, président national du parti. Ce message devrait en principe vous être transmis par le camarade du secrétaire permanent, le professeur docteur Emmanuel Ramazan Chadari, qui malheureusement est en mission. Comme vous le savez, le PPD totalise ce vendredi 31 mars 2023, 21 ans jour pour jour. 21 ans, pour un enfant, il devient majeur. Et le parti qui est le nôtre, le PPD, a atteint sa maturité. Amen. Raison pour laquelle vous avez vu les faibles, les esprits faibles n'ont pas résisté quand il y a eu un petit vent qui a soufflé. Mais les esprits forts, la raison qui nous anime aujourd'hui de vous exprimer au nom du camarade président national sa reconnaissance pour votre fidélité. Le combat n'est pas facile. Nous vivons les injustices. Nous vivons les intimidations. Nous vivons les arrestations arbitraires, mais tout cela ne nous a pas affaiblis. Raison pour laquelle nous nous tenons debout ce vendredi 31 mars. Chers camarades, notre parti n'est pas n'importe quel parti dans cette République. C'est l'unique parti de la République qui a deux fois gagné les élections au niveau national avec le président Joseph Kabila dans les deux chambres du Parlement, dans les provinces, et il n'y a pas encore un autre parti qui a l'expérience que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi le camarade Joseph Kabila, quand il a pris le pouvoir en 2021, en 2001, il a trouvé le pays divisé en morceaux. La première démarche qu'il a entreprise, c'était l'unification de ce pays. Il a fait des concessions pour que le pays revienne, parce que le pays était déjà parti, en acceptant de partager le pouvoir avec quatre vice-présidents, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire politique de l'humanité. Juste après la prise de ce pouvoir, juste après l'unification de la République, le président Joseph Kabila a organisé trois cycles électoraux au niveau de la présidence, au niveau du Parlement et au niveau des assemblées provinciales.
ce qui n'a jamais été le cas avant Joseph Kabila depuis 1960. Toujours Joseph Kabila, il a permis au peuple congolais de vivre pour la toute première fois depuis l'indépendance l'alternance et la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Les 18 ans de Joseph Kabila, plusieurs réformes ont été entreprises dans le cadre de la sécurité, dans le cadre de la police, de l'armée, dans la justice. Et nous avons aujourd'hui les juridictions qui n'ont jamais existé depuis l'indépendance, si bien que ces juridictions ont toujours été prévues dans les constitutions. Aujourd'hui, nous avons des ordres de juridiction, nous avons la Cour constitutionnelle, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, c'est toujours sous le règne de Joseph Kabila Kabange. Ces réformes ont conduit à l'amélioration des conditions de vie de la population. Ces réformes ont conduit à la stabilité de l'économie nationale. Mais qui malheureusement aujourd'hui, le régime en place n'a pas capitalisé des acquis de l'alternance. Ce qui nous pousse aujourd'hui à faire un petit diagnostic, un petit aperçu sur la situation générale du pays. Comme vous le savez, chers camarades, sur le plan sécuritaire, la situation est chaotique à l'est de la République, au nord et aussi au Kivu, et à Ituri plutôt. L'insécurité s'est généralisée dans le Grand Bandundu et dans le Grand Katanga aujourd'hui. Alors que l'Est de la République vit sous l'état de siège presque il y a 2 ans. Sur le plan politique, nous sommes en train de reculer. Le président Joseph Kabila a consenti des sacrifices pour la démocratisation de ce pays. Mais aujourd'hui, tout est bafoué. C'est comme ça que nous sommes en train de reculer petit à petit. On cherche à instaurer un parti unique et le PPD n'acceptera plus jamais ça. Les constituants ne veulent plus que quelqu'un se termine au pouvoir par de moyens non démocratiques. C'est comme ça qu'on a remis le pouvoir au peuple congolais qui l'exerce au moyen des élections. Et s'il n'y a pas d'élection, le peuple doit lui-même s'assumer. Et le PPD sera en avant pour que l'article 64 soit mis en application. Voilà. Chers camarades, chers militants et militantes, le PPD, votre parti, est encore là et fort. Raison pour laquelle on nous demande de demeurer fidèles, de demeurer loyaux et d'être derrière le guide, le président national, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Chaque jour que le président Kabila a abandonné la politique sont en train de vous distraire. Il est notre guide. S'il avait abandonné la politique, nous ne serions pas ici pendant cette période. Voilà pourquoi nous devons demeurer avec notre détermination, demeurer loyaux et fidèles au guide qui voit le mal de loin et qui abîme le ciel.
Peut-être de viva. Viva. Le camarade président national vous souhaite un heureux anniversaire. Pas seulement à nous qui sommes présents ici, le même souhait va jusque dans les fonds de la République, dans nos 26 provinces, dans nos 145 territoires, parce que c'est l'unique parti qui est représenté sur toute l'étendue de la République. Et c'est avec votre détermination que le PPRD vivra. Parce que dans notre hymne, nous disons que le PPRD vivra, vivra et vivra toujours. Que vive le grand parti, le PPRD, que vive le président national de notre parti, que vive la démocratie que nous avons instaurée dans ce pays. Je vous remercie. En RDC qui ont totalisé ces tâches. Nous avons eu à gérer l'État et à laisser des certains fondements au niveau de l'ossature de l'État, au niveau des institutions de la République, au niveau de la politique socio-économique du pays. Le PPRD a eu à faire sa part et aujourd'hui nous constatons qu'il y a eu une certaine régression dans plusieurs secteurs de la société sur le plan social, économique et même sécuritaire. Donc aujourd'hui nous sommes en train de commémorer ces 21 ans tout en félicitant également les militants qui aujourd'hui font preuve d'une grande conviction et d'un idéal qui n'est pas censé s'arrêter pour un bilan ou pour un mandat. Nous sommes là, nous inscrivons notre activisme politique dans le temps et les militants du PPRD ont répondu présents pour rester encore opérationnels pour les 30 prochaines années, pourquoi pas les 50 prochaines années. Merci. Voilà, merci.
21e anniversaire na biso ya PPRD ya parti koza ba merci mingi pe ba félicitations na président national Joseph Kabila et puis na secrétaire permanent Chadari et na batu nyoso o ba jaki présent lelo ezande journée na biso ya anniversaire to fetango kitoko elekani kitoko ndeka d'habitude le kanaka pene to lekisa ngo kaka PPRD ne tombera jamais 100% raïs, n'est pas Zalara, 100% raïs. Moi, message que la population, peine à peuple congolais. Peuple congolais, photo à la mise ouverte, na oezole kana mingi na mboka. Et aussi la passe tant que même si biso qui faut beaucoup comme ça Congo allemand, mais tisiko beau répondre na kamongoti. L'est du pays toujours problème, vie sociale yabati toujours problème. Bah, petite et moyenne entreprise pour les jeunes, toujours problème. Bah, études universitaires, problème. Bah, études secondaires, problème. Na obolara écoute, il y a gratuité. Donc, tisiko yo, donc, et l'on monte à Malonga et Salami. To binomoro boasire, comme il est déjà 23, binomoro boyebi, lipa n'en parlons même pas. Donc, nous sommes mort que ça handicapé. Pour éviter ceux qui sont dans la gérance mini, tous à la gola, la gola mouka, bah. Ma phrase ou ma mot, ils ont comme belé dans ma plateau. Or, ils ont ma bilan au moins pour la redistribution du peuple. Il y a une autre ligne élection en 2023, net au sein d'une ligne fait salement. Donc, décembre 2023, il faut que vous votiez pour changer le régime aux alliés. Le régime Moro Yamabe, le régime y a des ordres, le régime qui est combattu. Le régime qui est pouvoir. Donc il va faux, donc l'ambition va faux politicien en régime, va faux ministre, va faux député, va faux président et régime. Donc il ne faut pas quitter l'ambition pour dire l'ambition, donc va dire faux président, va faux ministre, va faux député, il ne faut pas longwa, tout changer, tout y a battu à ma longa. Biso to zalaki, to salaki, to mekaki un peu pour pesa bango na courtoisie, mais bako ki ko salate, donc faut pas longwa. Donc tout roi to zo ya, na nenga ya ko déduit biloko na bango nyonso, donc faut to arranger makambu, ezo nga nenga zalaki. Donc to zo misa baba député a solo solo, ba ministre a solo solo, na yango faut to yeba, nini yo le kana moka, la partie est au côté toujours problème. Or, insécurité, ça m'a cassé. Tu comme tu n'as niveau qualité, fait quoi t'as un goma. Mais, basé en a baso mon anet, baso mon ate. Bah, faux accord, bah, que ça la lissoussou. Bah, faux lissanga, bah, que ça la lissoussou. Pour pas qu'on m'en distrait un peuple congolais. Oh, tiens, Joseph Kabila, c'est là qui boit. C'est faux. C'est faux et archi faux. Joseph Kabila a signé et l'autre, mon côté, la compte à Est. Oh, pour détruire le pays. Bah, moi, mon côté, bah, ça, il va bêtise dans bah. Il y a moins compliqué pays dans la minute dans leur état actuel. Donc, il faut que ça salade. Mais on enseigne le peuple congolais va comprendre où nous sommes allés. Tous les ministres, les députés, nous sommes allés à Bango, nous sommes allés à la salle et nous sommes allés. Donc, le régime est en train de se. Donc, le peuple congolais, il faut comprendre que nous sommes allés en 2023, nous va quitter le pouvoir pour tous les pouvoir, tous les salles, sous les collègues, tous les salles qui ont solution exacte. Donc, le président doit nous quitter le pouvoir parce que c'est maintenant l'ère où il faut qu'il quitte. Donc il doit nous quitter le pouvoir parce que Azoka Mamabe, dans le régime Naye, oh non, ça va saler les Amabe. Donc il doit nous quitter le pouvoir. Merci à peuple congolais, oh non, ça va l'ana. En tout cas, merci Mingi. Tous un message, Ona, Nenga Solo. Mission TV, le miroir du monde.